Bonjour, bonjour. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Na pesibi no nyonso mbote na kombo Yesu Christu ezali ngande ko nabino jali kamani. Je commence par demander à tout le monde. D'abord, abonnez-vous à la chaîne La Vérité, activez la cloche de notification. Merci à tout le monde qui est en train de nous suivre. Merci pour tous ceux qui suivaient les prophètes à pareil moment. Qu'il soit jour, qu'il soit nuit, qu'il soit matin, cela dépend du temps, dépend de l'heure d'où vous êtes en train de me suivre. Le prophète est devant vous et le prophète vient vous parler. Je profite d'abord par commencer à dire merci pour tous ceux-là qui s'abonnent à notre chaîne La Vérité Miracle. Grâce à vous, nous sommes en train d'avancer petit à petit. Nous avons dit que l'objectif de cette année, c'est de faire 100 000 abonnés. Et c'est toi que nous sommes en train d'attendre pour que tu nous aides à atteindre les 100 000 abonnés dont nous sommes en train d'espérer arriver. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde la force, que Dieu t'accorde la puissance et la dignité. Le prophète vient te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je viens te donner un message de la part du Seigneur. Prions. Éternel des armées, toi qui es notre force, qui es notre gloire et notre puissance, entre tes saintes mains nous nous abandonnons et nous nous laissons, demandant à ce que tu puisses être celui qui nous domine et celui qui nous donne ta vie et ta force. Laisse que tout s'efface comme toi-même tu le veux. Éternel, sois notre Dieu, sois notre puissance et sois notre force. En ce moment-ci, permets que ces messages arrivent à destination avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Malaise entre le chef. Ça sent la fumée. Il y a dans la Bible l'histoire d'un homme qui s'appelait Saul. Saul ou Saul, puisqu'il y a la différence entre Saul et Saul. Saul, c'est celui de l'Ancien Testament. Saul, c'est celui qui est devenu plus tard Paul. Et ici, je suis en train de parler de Saul. Saul était un roi. Il était un roi en Israël. C'est lui que Dieu avait élevé pour conduire Israël. Alors, il est arrivé un temps que son royaume a commencé à avoir des problèmes. Et quand le royaume a commencé à avoir des problèmes, la Bible me dit que Dieu va permettre et Dieu va élever, Dieu va permettre à ce qu'un homme qui s'appelle David vienne au secours de Saul, de Saul plutôt. Puisqu'il y avait une bataille entre lui et les Philistins. Et Saul va l'aider à sortir de ses problèmes avec le Philistin. Et lorsque Saul va l'aider à sortir de ses problèmes avec le Philistin, et le roi avait dit que c'est lui par qui l'Israël sera délivré du mal des Philistins, il deviendra son gendre, c'est-à-dire il va épouser son fils, c'est sa fille, et il va lui donner beaucoup d'argent, et son nom sera, et le nom de sa famille sera élevé. Et c'est à ce moment-là que le petit David qui sortait de la brousse va venir l'aider. Je prends cette illustration de la Bible pour montrer comment deux personnes qui sont des amis, deux personnes qui s'unissent pour une même cause, plus tard ils peuvent devenir des amis lorsque leurs intérêts ne convergent plus sur la même longueur d'onde. Et la Bible souligne que plus tard, lorsque le roi a commencé à trouver la popularité de David, il a commencé à être jaloux, car les femmes chantaient que chantait en disant David, Saul a tiré ses 1000 et David a tiré ses 10 000. Et ça a commencé à créer la jalousie dans le cœur de Saul. Et Saul s'était retrouvé à commencer à pourchasser David. C'était quoi le nœud du problème? Le nœud du problème, c'était qu'ils étaient tous d'abord des amis, mais il est arrivé quelque part où les intérêts ont commencé à primer sur l'amitié. Et quand les intérêts ont commencé à primer sur l'amitié, chacun a commencé à regarder dans l'angle de la chose qui lui est importante. Personne ne regardait plus le peuple, personne ne s'est contenté plus de ce qui s'est passé dans la population, tout le monde était concentré sur les intérêts. Il y a un adage français qui dit que là où il y a les intérêts, l'intelligence ne réfléchit, ne travaille plus. Vous allez voir que quand vous avez des intérêts, même quelqu'un qui est réfléchi, il ne réfléchit pas. C'est pourquoi vous pouvez voir qu'une personne suffisamment intellectuelle, mais puisque un illettré lui donne 1 million, il commence à l'appeler de tous les noms. Vous vous posez, mais la tête, elle est partie où? C'est à cause des intérêts. L'Éternel me révèle un malaise entre deux grandes figures
du gouvernement congolais. Voici ce que je vois. Je vois un homme, excusez-moi, je vois un homme qui est attaché, si je peux dire comme ça, ou bien qui est à côté de Jean-Pierre Bemba, en train de parler derrière le dos de Jean-Pierre Bemba, ou en train de dire des choses aux gens que Bemba est en train de leur dire. Jean-Pierre Bemba, c'est l'actuel ministre de Défense de la République démocratique du Congo, qui lui est en train de leur dire qu'il ne faut pas ces derniers temps, ou ces temps-ci, ou ces derniers temps, il ne faut pas venir voyager d'abord au Congo, il ne faut pas venir, et surtout, il ne faut pas aller aussi dans les Kassai et dans d'autres endroits, puisque la situation, elle est tellement incertaine, on ne sait même pas si le président va finir son mandat. Car tout peut basculer à tout moment. Ce n'était pas faux, c'était vrai. Mais celui-là qui était en train de les dire, il était en train de les dire comme pour montrer les mauvais côtés de Jean-Pierre Bemba, selon la vision. Alors, quand le président a appris cette chose, le président s'est senti trahi. Le président Félix, selon lui, il s'est senti trahi par celui qu'il pensait que c'est son allié. Et il va l'appeler, ils vont commencer à discuter. Malgré que Jean-Pierre a nié certains faits, il a nié des choses, mais Félix n'a pas été convaincu. Et ça a créé des malaises entre eux. Félix s'est dit que tu es en train de faire des choses derrière mon dos, c'est que tu as un autre programme, tu as un autre plan. Mais ceux qui sont venus acquis, ceux qui étaient en train de parler de cette histoire, ils étaient en train aussi de faire comprendre le mauvais côté de Jean-Pierre selon eux. Alors il y a eu un tiraillement entre Jean-Pierre et Félix. Je me rappelle d'un message, chaque fois que je vois Félix et Jean-Pierre, ce message revient toujours. Je l'ai dit en 2019 ou 20, avant que Jean-Pierre ne commence à travailler comme ministre de Défense. Je les avais vus tous les deux en train de s'accuser. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. D'ailleurs, on va t'amener, à la cour, oh, on va te juger, oh, c'est toi, c'est toi. Ils étaient en train de s'accuser mutuellement. Récemment, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vérifiable, que Félix impute une histoire de détournement de 45 millions de dollars à Jean-Pierre, puisque il paraît que l'un de ses militaires avait été envoyé en Afrique du Sud pour acheter du matériel militaire. C'est un colonel proche. Et il a détourné les 45 millions en Afrique du Sud. Il s'est acheté des appartements et consorts. Et Félix est mécontent. Il dit que, comme c'est l'homme de main de Jean-Pierre, c'est que Jean-Pierre est celui qui a organisé cette histoire-là. Vrai ou faux, c'est à eux deux. Ce sont des chefs, ce sont des grands bouanas, ils savent. Mais alors, s'il y a un malaise entre le ministre de Défense et le président de la République, et que le ministre de Défense dise que la situation est incertaine, on ne sait même pas s'il va finir son mandat, il ne faut pas venir, c'est que le pays va être très mal dans les jours qui sont devant nous. Ça s'annonce pas bien. Nalobara lingala boyokanga bien. Namoni mutumoko avandi azoloba na batu. Que d'ailleurs boyokama kamujabia bemba azoloba. Alobi
il faut pas qu'on ait na Congo ba mikolo eza liboso, il faut pas aussi qu'on ait même na Kasai, puisque pela ba bisika mususu, puisque situation est tellement mabe to yebi atate ku soki président aussi dit ça manda oyo pour tozan vivre la situation moko incertaine. Mais mouto aloba ki ango lobi maloba na bimisa ki ango dans mon Jean-Pierre. Or Jean-Pierre pe Félix a eko benga ye ko tuna ye makambwana alobi a yebi angote. Mais tant alobi a yebi angote, Félix alobi mais mouto azo loba wana sa proche na yo. C'est que tu connais l'affaire. Ce qui n'a meki ko zonga moi si na biloko bazo loba batu ya corne et batu bazo ya pepper de bazo ki n'est pas accordé nanga. Tomoni pe un proche ya Jean-Pierre a kenai yuna. Mais ye bazo lobela ete puisque Jean-Pierre a sa la union sacrée. Et loko a mi balé. Ba outi ko loba awa soki eza na mbongo moko soki 45 millions de dollars et bunga ki na kata moutou moko a Jean-Pierre e bape sa ki a ki n'rosso mamandou ki na Afrique du Sud. Na ye na mbongo. Ba li mwe loko la le président ya li mwa ki depuis les 6. Et 6 avril. Félix Ali Mouaki. Je vais faire l'analyse pour que je me dise. 3e fait, Oyo Nazolo Basikoyo, Onza Balakisi Sikoyo. Pour la 4e vision, Félix a commencé à dire que non, Yozo Salamakam Nasima Mkongunanga. Pour la Likambu, Oyo Yakolobake Moutouana, même qui 45 millions de dollars, Félix a dit à Jean-Pierre que, et on a yé, Eza Moutounayo, c'est que, Aza Moutouza proche, c'est que Yopé, moi parti dans ndenge kaka ezalaka na système yo pe o récupérer ki to yo yebi to bo planifier ki to nini na yo kaki même que même na matanga ya ndeko ya Félix moko wa uti kokufa awa que première dame mama Denise aboya ki na ko pesa Jean-Pierre Mbote pour na likambwana méchant que la ruana kuma babetika akufra ya 45 millions ata yo moko sans que 100 jours et salema. Il fallait 100 jours et ça les mamans nous aurons et panzani gabo et n'a boulot n'a pas encore bébé là. Alors c'est pour dire que la micolesa liboso batumi balo bakondongwa et ceux qui batumi balo bandongwani et ceux-là au malam monté pour n'a pas encore Jean-Pierre a ministre à défense. Daba sekro ya yeba yili boso, a yebi yango pe lisu, lelo aza lisusu. Aza pe na kati ya ba institution, aza na kati ya parlement, aza pe na batu na ye, na kati ya gouvernement. E soki likambo ebimi na kati na bango, to yebi nyon soke aza mutu ya bitumba. Eko yiko sone malamu te, pona mboka na biso. Men le message ya nzambe za koloba ke, na mikoloza liboso, mboka na miso kozala bien te. Tango tolobaka to bondela nga azo lobate ki to bondela pona Félix. Félix asazwi mbongo na ye. Asa komi na ye milliardaire. A okipe bino li soute. Azo okipe ne mbongo na ye na fami na ye. Ndenge nini bakolia ba mbongo na bango. Ndenge nini bakosala ke. Mboka nisa te ki ata mindele bakolandela ye te. Mbongo tango ezo kota, ezo somba bandaku na Belgique na nini. Mindele bazo profite ka nango. Bako kolandela ete siko bako kyo tungisa ete. Bako zeleka kuna diboso, tango wasi asilisi bo konzide bako miko luka neni ni otak so ni nabwe. Po bilo kinyo sweti kala ya bango. Do aiba, aiba te etali mindele te wane sa problem na bango te. Mengana zolo bapo na mboka. Nzamba sunga biso. Que ceux qui n'engagent pas le bagage, ceux qui nous ont commis, balais au bunda, matit ndé et sambwa. Si les deux garçons là vont, mais ils vont pas s'attendre que Dieu nous fasse grâce, qu'il choisit la manière la plus facile pour que l'un soit, pour que l'un ou pour que tous les deux ne soient pas là, mais pour permettre à ce que le peuple de Dieu vive la quiété. Seigneur, s'il était possible dans ton amour, ce que toi tu as statué, personne ne peut le stopper. Si tu peux nous aider,
Si tu veux les effacer, c'est toi qui connais. Si tu veux les garder, c'est toi qui connais. Mais protège ton peuple contre ces choses. Nous donnons les messages, c'est d'abord pour le peuple de Dieu. Que Dieu est en train de nous orienter et nous dire. Ce message est en train de revenir sous plusieurs formes. Je vous avais dit au début, le Seigneur m'a dit que ces gens ne vont pas s'attendre puisque tous ils ont volé. Et vous êtes en train de voir que ça fait, nous allons maintenant faire cas. Vous êtes en train de voir tous les éléments qui montrent que c'est en rouge. Mais comme les Congolais, ils aiment toujours être à faire semblant, même là où il y a des choses sérieuses, voilà pourquoi. Ça fait, le président a prêté serment depuis le mois de décembre. C'est au mois de décembre, janvier, je ne me rappelle plus. Il a été voté, il a été choisi par ses amis de la... Il n'a pas été élu, il a été choisi par Kadima le 23 décembre. Lui et l'association de Kadima et les Kamoulet et tout ça, ils ont aussi choisi la majorité de son tribu d'être là au pouvoir. Sur un pays qui compte 450 tribus. Mais un seul tribu est devenu majoritaire dans toutes les provinces, alors que c'est les tribus qui ne représentent pas 30%, 40% de la population. Premier malaise. Deuxième malaise, jusque-là, il n'y a pas une cohésion nationale. Quelque chose qui peut unifier le peuple. Qui est en train de faire que ceux-ci vont là-bas. Nous sommes en train de voir même les gens qu'on ne pensait pas se retrouver dans des rébellions. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rébellion. Troisième malaise, le partage du gâteau entre eux, ils ne savent pas comment le partager. Nous commençons à voir qu'on est en train d'amener un premier ministre qui ne peut pas, comme le président ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui s'approprie de ses travail pour dire que c'est mon bilan, pour postuler plus tard. On amène une maman qui est déjà... qui ne peut plus penser à... Maman Judith ne peut pas penser à la présidence. Hein. Tout ce qu'elle pense, c'est comment trouver de quoi laisser à ses enfants et à ses petits-enfants leur léguer 2 ou 5 entreprises, 20 maisons, tout ça, comme ça, ils garantissent leur avenir et le reste, Maman Judith n'est pas là pour se combattre et trouver la solution au problème de l'Est. Non. C'est un problème qui est devenu cancéreux. Maman, ne mettez pas vos pieds là-dedans. Maman, mange ton argent, là. C'est simple, là. Vous comprenez? Si vous regardez même les castings du gouvernement, vous regardez déjà, en regardant le Parlement, vous comprenez déjà que le casting sera très mauvais. Et ça va faire que les gens ne s'attendent pas. Mbosso est rentré au Sénat. Donc c'est seulement Mbosso qui a la sagesse internationale dans ces pays-là. Bon, cela veut dire que Bahati Lukwabo doit aussi rentrer. Et Kamere qui n'est pas premier ministre, il sera encore quoi? Ministre de l'économie ou comment? Malaise. Ça sent la fumée, ça sent mauvais que les gens ne savent pas comment ils vont partager ces gâteaux-là. Et avec toutes ces choses-là, ça montre que ce qui est devant nous n'est pas aussi bon. Moi, je prie pour les enfants de Dieu. Je prie pour que Dieu puisse protéger son peuple et éloigner son peuple. Et l'insécurité de partout, dans tout le contrée du pays, à Kwamuntu, à Kinshasa, avec l'insécurité. Kinshasa n'est pas gouverné. Si vous regardez, Kinshasa n'est pas gouverné. Qui gère la ville de Kinshasa? Personne. Il n'y a personne qui gère la ville de Kinshasa. Personne n'est redevable à Kinshasa. Qui est redevable? Les commandants de... Quand vous regardez seulement la manière de circuler, vous voyez que il n'y a personne qui gère. Aujourd'hui, le pays, il n'y a pas de président aujourd'hui. Il n'y a pas de président. Le président est absent. Le premier ministre n'existe pas. Le parlement n'existe pas. Le Sénat n'existe pas. Les gouverneurs n'existent pas, puisqu'il n'y a pas de gouverneurs qui sont élus. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce pays-là. Je ne sais pas si les gens sont en train de voir. Tout le monde a été. Président a été.
Na histoire to ko retenir que il y a eu un temps mboka na biso salaka 5 jours, une semaine. Le président était là mais azaka absent. C'est-à-dire mboka za ko mi konza yango moko po premier ministre pas azaka te. Président parlement azaka te. Ba député bazalaka te. Sénat azaka te. Mais bato ba sala ki 37 ans bazo combattre balobi baza na politique ya makasi. De politique na bango bazo konza yango. Donc mboka eza vide. Roulage à la raté, policiers à la raté. Naïeb Sarabido Kenzamba la Kisinga que désordre que continue dans Mbokoyo. Makasi, makasi. Quand Moussakola Zolo, Makamusuba, Bayo Kamote. Nzamba la Kisinga Mbokoyo que continue désordre, boye. Et que ça la désordre. Nazo rappelé l'issue que Bitumba ya Est et que continue kaka. Ata Félix a sali 30 ans. A aussi sangote. So ipe bolingi ndenge bazolinga ba komisa SSC ko ba pesa ki SSC ko wana a rosi sa bitumba na te a rozala ka wana me rosi di sangute lobi na landa ki gouverneur a katanga azolo ba ke po ya zwa mbongo gouverneur ya katanga te ya Tanganyika po ya zwa mbongo il faut IGF. Donc il y a un dysfonctionnement du système au ko comprendre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Dysfonctionnement. Aux hommes on a place Katanga Zali, t'as la place na IGF à Zana Kishasa, et place Tanganyika Zali, côté Ozoé à Zara Libosoara. A dit dysfonctionnement moko. Est-ce que vous comprenez dans Mboka Oba Okozoa, dans Mboka Zagana Go Pass, bafouta ka Go Pass, il y a $55. Dans ma vol international, dans ma vol régional, tu vas foutre à 10 $. Est-ce que vous avez vu que l'aéroport Angili, c'est l'aéroport le plus cher du monde? Il y a un avion et il y a un avion qui refueling, il y a un avion qui est sur l'aéroport Angili, il y a un avion qui est sur Mayamaya pour qu'il y a un refueling et il y a un Brazzaville, pour qu'il y a un Makamoussou et gars qui est garé, puisque Angili va foutre trop cher. Est-ce que vous avez vu que l'aéroport Angili wana a un hôtel ba futsa wana ya RVA? Mais l'aéroport Angili ezangi 1 million, ezangi 2 millions toloba, 2 milliards de dollars. Pour budget entreprise wana o ya ba Turc wana, o mukolo nango président ya Turquie Erdogan, eza 2 milliards 900 millions de dollars. Nde ba pesi yango pour 29 ans a signé contrat ya koloba ke ba bongisa aéroport Angili à 2 milliards 900 millions de dollars pour 29 ans. Alors que l'aéroport à Turquie, Oyasika, babongisa ki yango pour 15 milliards de dollars et que l'aéroport babongisa ki yango na une année. Mais 29 ans, c'est-à-dire, na budget, na logique wana, na une année, ce qui est à 29 milliards de dollars, c'est-à-dire, le quoi babongisa yango 29 ans, est-ce possible que aéroport kaka ya Njili wana et bote la Erdogan ba aéroport mususu neti ya epa na bango wana ata 20. Est-ce que bozo sosola? Bozo sosola mboko. Bozo sosola sola nde mboko ndenge makambo mboko ezalaka. Peso iba tu ba lobi oyo ka ba taxe nga o nazalaka. O nazalaka soki kabiliste, soki kokuzaka kabiliste nde za ndene. Donc soki mutu azana aza misu soki mutu aza zobate, c'est-à-dire aza mutu ya kabila kuna koloba ki kabila ndaza kamayele ba na Kongo batu mayele baza rate batu ba réfléchissa ka bazate. Donc le bolingi soki mutu moko aza zoba batu nyoso baza la bazoba, soki mutu moko bongo na ye fungwa marate biso nyoso za batu moko bongo elala mutolu na ngeza na mboka wana bakoko na nga nyoso baza na mboka wana na bota mawana bakokundaka nga wana naza mboka musute. Si on a le belambo kananga ite, natika mutu moko boye. Na ba Nehemi na kati ya Bible na ba Jérémy kutu. Daniel azako lia zaki na munda kwa roi mazaza kimia te pona kokanisa mboka naye. Si ko lokwa nazamo sala nzambe na sana droit so kokanisa mboka nanga ite. Yesu ye moko kolobaki tokozwa 100% ya mokili, aprende la vie éternelle. Pona ni nzamba tinda ibiso na mokili. Atinda ibiso na mokili potozo ngamba la moko na lola. Isoki ezaki tozo ngamba la moko na lola. Il fallait garder biso lokwa milimo. Donc bino bozomo na ke bino nde bozana droit ya kozala, bino nde bozana droit ya na Congo biso tozana droit na Congo te. Alors que mbongo na biso na makila na biso nde zo sala ke
na mabele na biso bozo exploiter wana ya biso nyoso ya bino morote eza propriété a mutu te eza te ke papa na bino azaki mwa mabele moko kutu boye bisanga toza la série na noir moko toza tozonga abatu na papa na ngaza soda makila na isupa na mboka wana pona ubunde la mboka wana ngai na sala Congo makamusura ba president bazana na basailango te pena zo continuer ko sala boy ngai na zo tangisa 350 élèves na Congo na kamo organisation muketo za nango zo tangisa 350 élèves na Congo en passant son ngai pesa nga 10 dollars to 20 dollars tinde la ngai kende na chaîne na biso na 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 site na biso ozomo na kombo wana CRL croisière le cas na place ya humanitaire ça la biso don ate ya 10 dollars 20 dollars et osunga biso nga na zwaka na senga ka batu ba pesa ngai par mois soki 1000 soki 1200 1300 na tindi na Congo na zo tanki sa 350 élèves nga na za kutu président de la république c'est à dire nga na za na droit ya koloba koleka na président na za na droit ko tourna président makambu nyoso po na place na ye belenga na zo sala ya minene pourtant ou ya za hiloko langa atika la ko tanki sa batu mbalete pe azalaki azai kutu loko langa te po azalaki sénateur ya za ki parlementaire Azako futa maba 8000 dollars pendant 18 ans ya Kabila. Azalaki na Sénat soyi boye bakate. Na parlement soyi boye bakate. Azalaka eli député national na Kasa Oriental. Pendant 18 ans nyonso ya Kabila, yepe azalaki na ebite pour un temps balobaka Kabila renyaki pendant 18 ans bachaka paye na katite na ebate pour ani. Mais na 18 ans nyonso wana atikala na époque wana atikala koyeba salaire na ete. Yango pe lelo ayebi pe salaire na ete. Mais mutu ebi salaire na ete alataka montre sa 50 000 dollars alataka chaussure ya 15 000 10 000 dollars a voyager ka mikolo nyonso a ebi salaire na ete mais a voyager ka na salaire na biso mais toza na droit ko tuna ete mbongo na biso utiliser ka ngondeni mais azoke de ko signa ba nyongo na kombo na biso tangu mbongo ye ya retire mbongo mais biso ba kolo mbongo ta oya zoka mbongo na kombo na biso to ba ko kote mbongo na kinate mais soki balobi na bino mbolo ba botuna balobi oza mosala nzambe koza mosala nzambe ndeko lobi ngolo ba koza la zoba to koza la mutu moko to kenda classe to kota de première ti to ke 6e to ke pe to zui pe chance to ke kotanga na ba institut supérieur pe na ba université to kenda pe to sala pe na ba pe na poto awa Tozotanga pe alter ato tanga loko moko te otanga ta 30 minutes tozotanga sa pe batu mususu Naza na école la théologie nazotanga sa batu théologie sa science Naza la pe ba cours mususu na tanga sa pe batu le droit international humanitaire la protection de l'enfance ainsi que la protection des civils to tanga babilo ko mususu belebele c'est à dire biso toza pena toza ta mwana mwa connaissance muketo ko kipe ko tala ngai na sina gouverna territoire mobimba comme étant représentant des Nations Unies na province quelque part comme un gouverneur nga na sina sala ngo comme un gouverneur à la place formation na sala formation ya kozala président nga na sala formation wana ezala raté mais na Nations Unies baza na équivalence ya loko moko ya bongo nga na sala yango. Bon, je connais comment fonctionnent les institutions avec le gouvernement, avec je sais comment travailler avec l'armée, comment travailler dans des zones à conflit, dans des zones à problème, comment stabiliser un pays, comment amener. Dans ça, on a des connaissances sur ça. Donc, si tu as ceux qui ont été en Zambé, tu as limité à Moli Mokaka. Moli Mokaka est là, tu as peine d'autres. Parce que l'anzambe peut balata, parce que l'anzambe peut saper. Pour nous, ceux qui ont fait l'anzambe, ça saper, parce que le bâté, ils ont fait l'anzambe, ils ont fait l'onction. Mais l'onction, bon, il y a l'onction et la sape, mais ceux qui ont fait l'onction et la connaissance, ils ont fait. Alors que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Nous avons fait l'anzambe à Moïse, n'a avons fait ça au bateau, pour nous, nous avons fait le bateau, nous avons fait l'intelligence. Pour construire, pour faire le bateau, nous avons Nzambe na pesa ka intelligence na sagesse. Siko soki mutu aza bongo boko mikoloba, aza boya aza boya aza boya. Pourquoi? Yango bino bokanisa ka ke pour mutu aza la intelligent, il faut ka bazala ba framaso. Na toko miko mona lelo na kati ba framaso ba batu bazoba ba komiko za la batu bazana mayele te alors que ba baisa ki ndok ba baisa ki que c'est une société des élites. Écoutez,
mboka neza ya biso nyoso tokolobelango na molimo tokolobelango na musuni tokolobelango pe na ba façon mususu na ndenge sengeli je vais na kozonga ko sala analyse de nous poser la question pourquoi on a confiance au Rwanda plus qu'à nous c'est une question à retourner. Problème Nabino, vous ne voulez pas battre à Mayele. Battre à Mayele, ça te battre au Kenya classe. Bolingi que Congo est comme conduit na battre à Balabala. Bato bazana boanya tende bandimaka. De pas comment conduire na Congo. Hein? Battre au moni na Congo. Mutu moko ayoya na bor moko boya buzoba. Bato ba apuyeye. Mais soko yena Congo na biloko a Mayele ba kondima ote. Puisque Congolais alingi Congo est bon na munoko, mais na misalate. Soko ko lingi ko lingi ya na concept moko ko bonza lungwa kuna yokanisho ndoko bonza mboko. Eh mboka sisa nzamba pekisa biso tolo bake mboka kufa to mboka ne ko bonga kate. Ngana hebi ke mabe ko continue. Na bisa binonga na zo mona nzamba zo lekanga mabe ko continue mais nzamba lobi quel que soit mabe ne ba zo to bona mboka ba zo sala boy. Il faut jamais confesser le mal. Ngunga na confessera toujours que la main ndenge nzamba benge la ngamboka no bi na benga ngo la main ma main loboko nzambe ezali kolona biso eko continuer eko zala soko zana kondimate na communiquer oko ndima komona ba miyibi bazo yiba lelote ba papa mibima miyibi bango nyoso kobana na president tina suka miyibi muto asali 5 ans 6 ans azolo bakaye bi salaire na ete siko pe aza mondimi ya église pasteur mundi mina yo apesa ka dima ko uta wapi dimo ya apesa ke bima wapi ya muyibi tangu pastera yamba oyamba ka dimo wana tuna ka ete yo muto sala kata yo muto yeba ka salaire na ote obimisa ka dimo yo wapi ba offrande na ba action de grâce ya ka osala wana abimisa ka ngo wapi et en passant j'ai appris que tangu president ke na église soki azo koma boye bandimi nyoso babimisa bango libanda babandi suko ata bokoma ki ava bino tout libanda na église ya pasteur Dalo ba tutu ba kenda libanda ba bandi ko fouye mutu moko boku bimisara ba saka mena ba nyoso pasteur bo sale la rika qu'il te connaît pas na na présidence pour la tunaka biloko yo hein atunaka biloko yo liboso nzambe biso nyoso to sandenge moko tango to sale église biso nyoso to sandenge moko hein. Tant que tu as une église, tu as une église. Tu as une église. Tu as Batu, église. Tu Congo est à 98% chrétien, mais tu as une vérité. Ce que tu as une vérité, tu as même les pasteurs, tu as une église. Tu as une église. Tu as une église. Pasteur, tu as une église. Tu as une église. Tu as une pasteur, tu as une église. Tu as une pasteur, tu as une église. Tu comment? Lukuta na nyoso me batu balibi so azawe azamo sal na nzambe eh na ba kate so iba koza mosal na nzambe za kokosa alors que Jésus lui-même est la vérité oh nzamba sunga il y a un mal o isengeli to lo senga na nzambe abimisa soki yo koyoka nga na mabe nzamba sunga yo oyo kamala mo fungola matoi na yo saint esprit a soufflé na kati ya sala oyoka bien na fingi mutute ao na lobeli pe mutu mabete na zo pesa conseil na zo loba pe o nzambe alobinanga soki okoyoka nga mabe wana yokaka nga lobi mabete nzamba lola pambola objectif na biso to sala 100 000 na invité ona Suède na août du 14 au 17 somba biye na yo yaka na Suède lukabiso osomba paquet na yo oya na croisière pour sambela nzambe naza politicien te soki mkolo nzamba ko permettre naza politicien na ko yebisa bino nzamba lobina komi politicien mais naza politicien te nazo sunga kaka église eza na responsabilité ya ko konza mboka pour ceux qui église eza sala ngote batu bazo tikala bazo ba responsabilité nga ko fungola obongo bongo esengele fungwama. Il faut réfléchir. Nabandikoloba biloko depuis Kalaba 2016-2017. Biloko nyo solomon abatubazo sur le babo. Ce sont des choses. Biloko naibsabino kala. Mais les gens ont du mal à comprendre. Que le Seigneur vous aide et que mon Dieu soit avec vous.
na lingi bino mingi na komo na Yesu Kristo. Shalom. Ezalaki wabino le prophète Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse. Shalom.